ceux qui craignent l'Éternel. Hier soir, nous avons parlé donc concernant ceux qui craignent l'Éternel, parce que l'Éternel, c'est soi, on sert. Eh bien, même dit, ouais, soit c'est le monde qui est craint pour lui, donc l'on a danger la campagne. Est-ce que l'Église ça? Donc, son question de tous ceux qui le craignent, il les arrache. Alléluia. Donc, c'est pour l'espoir qui sans condition, mais espoir sans condition. Est-ce que là? Maintenant, nous devons le thème de débat, c'est la confiance en l'Éternel, la confiance en Dieu. Et à ça, c'est sous ça que je parle, parce que tellement poussé nous parler la foi. En passant dans ces derniers jours, en côté que nous devons un déclin spirituel, côté qu'on a refroidi la foi, et bien finalement, nous avons besoin de thèmes, donc un message qui est capable de remonter nos chrétiens, donc pour permettre qu'ils campent dans le temps d'épreuve, dans le temps de difficulté. Qui gagne spécialement dans le pays nous, qui c'est Haïti. Donc, nous ne pouvons pas abandonner parce que nous gagnons un espoir. Nous disons dans le langage par nous-mêmes, donc l'espoir fait vivre. Donc, c'est ça, aujourd'hui, après, nous devons appeler les petits mondes, nous disons l'espoir fait vivre. C'est une façon pour nous ne pas abandonner, pour ne pas prendre de cloches, pas de raison, pas de prendre de tout, parce que depuis que nous avons coupé, bien espéré. Donc ça a la culture. Donc ça qu'on va aller, c'est pas abandonner comme ça. Donc dans le pays développé, on a des crises, si nous crise économique, donc on pas qu'un monde qui a porté de la tuerie, campé en l'air, la réponse en bas, parce qu'on n'a pas de vie encore plus haut, parce que au niveau de la vie qu'on a gagné, ils n'ont pas d'accord de descendre. Mais les peuples haïtiens sont peuples qui gagnent courage, ils ont force, malgré les problèmes, difficultés, ils campent pour la bataille. C'est là, hein. Donc encore plus, nous qui sommes chrétiens, donc nous avons un vrai espoir. Nous ne pouvons pas attendre que nous allons changer dans le pays, même quand le changement est fini. Mais ce n'est pas ça. Nous attendons comme chrétiens. Nous-mêmes, nous avons espérance. Et c'est l'espérance qui fait notre campé là. Si nous avons chanté dans le pays d'Haïti, nous avons rassemblé pour le pays d'Haïti, c'est parce que nous avons espoir. Maintenant, c'est cette raison que le texte a dit. Donc, bon Dieu, c'est espoir nous, donc dans le pays, à travers le monde, nous avons désespoir, et bien spécialement le pays nous-mêmes nous augmentons, et bien nous avons, à travers les livres de nous avons regardé les deux tableaux qui étaient dressés, et nous avons parlé de tableau ça, et bien qui écrit en grande lettre, et bien le désespoir, côté de toute calamité, toute souffrance, toute maladie, toute humiliation, toute déception, donc à travers le tableau ça, et bien nous avons tableau, de notre côté qui dresse, donc son tableau qui marquait un problème est l'espoir, il marquait l'espérance, il marquait la vie, il marquait la paix, il marquait la joie, il marquait la santé, il marquait la guérison, il marquait la vie en abondance. Maintenant, pour parler de l'espoir en Dieu, cela veut dire que nous devons parler de la foi. Donc la Bible définit la foi pour nous comme étant. D'abord, il y a un mot, c'est le premier. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et parler de la foi, c'est parler de sa parole et de nous. Est-ce que là? Et ça, qu'est-ce qu'on a dit? C'est son parole et de nous. Et ça, c'est un campé dans une telle difficulté à ne voir pas. Donc, c'est ça la foi. Le livre a dit. Abaki comme prophète a raconté que côté l'Ichita comme sentinelle, il était dans poste. Après il vient porter des plaintes devant l'Éternel, donc dans la situation du peuple d'Israël, eh bien a souffri. Donc, eh bien, Abaki l'a dit comment l'Éternel fait quitter les champs pour comprendre, a fait la réponse. Et puis Abaki a porté plainte devant l'Éternel, et puis Abaki partit dans Abaki 2. Alors qu'il dit, moi, Chita, nous prenons la poste comme un sentinelle. Romain, allez, lève la tête en bas, en tant que sentinelle, faut avec la poste. Est-ce qu'on l'a, soya? D'ailleurs, chaque chrétien, règle la poste. Parce que nous ne sommes pas qui nous allons voler, ou pas qui nous allons voler, parce que les barres à plus dessus, c'est les barres tachées plus à mon Dieu. Et bien, alors qu'il te règle la poste comme un sentinelle, il n'y a pas de bâillement, il n'y a pas de courrier. Et bien, il dit, règle la poste.
bon Dieu a vu des grâces en abondance. Dieu sait la grâce que Dieu va même, c'est la grâce pour même que Dieu va y. Et si on regarde le livre Apocalypse, côté que la prophétie va recevoir, et même toute grande des professions, et même par là, c'est un moment épreuve. Parce que la Bible a dit, il y a un exilé, il y a la guerre dans l'île là, pour nous dévorer, pour mettre sauvé, dévorer, pour nous mourir, et puis dire là, il va rencontrer avec le Seigneur. Avec des épreuves parfaites, pour ne pas courager, c'est sous la soirée. Ne nous laissons pas, tristesse, pas pour faire que tu vas être en bas, mais c'est le péché. Que c'est mon seul mari pour bataille contre lui, pour le gérer le péché. Parce que jamais cherchons une pâque à genoux, c'est le seul moyen de vivre là pour le péché, du coup de mon dernier le barou, et c'est laisse à la carte. Si vous bagarrez avec les personnes, vous regardez. C'est le péché vous dit. Maintenant, la foi, il a parlé de toi, grâce de la foi, et la chasse, la grâce de la foi. Premier c'est la foi, c'est la connaissance. Et ça veut dire que ça dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi commence par la connaissance. Et deuxième c'est par la croyance, et bien pour s'entendre là, ou par croire comme la parole de Christ, ça veut dire spécifié, pas n'importe quelle parole, la parole de Christ. Et troisième, c'est de lui la parole à soi, de la confiance. Premier, c'est la connaissance, la croyance et puis la confiance. La confiance, l'idée par définition, mais on dit son sentiment. Moi qui ai confiance dans mon sentiment de sécurité. À lui-même, dans le temps de rien, et puis il sentit la paix, il sentit la sécurité. Est-ce qu'on a vu ça? Donc c'est ça la confiance. La confiance, c'est la tranquillité, c'est le calme. C'est ça, la sûreté. Donc, il croit que, il est sûr, il croit que, gardez en paix, malgré mon accouru versé, mon accouru par-ci par-là, à côté des sols, après la nuit, et puis les gars, il est posé. Parce que là, soyez-là. Allez, mon Dieu, voyez, c'est nous qui posons dans Jésus. Ma méchante, il y a le posé dans Jésus. Et là, avant qui, pendant que la réponse de l'élève, il y a une non-mite épreuve, non-mite difficulté, et puis lorsqu'elle finit pour être plein de Dieu, mon Dieu, et puis mes salons de pas dit à la Bible, il dit à la Bible, ou pas le grave prophétie ça vous-même, pour qu'à vous mettre du courant de cette prophétie, il dit, regardez, cette prophétie, il dit, c'est une prophétie. Il dit prophétie, ça, c'est une prophétie qui a accompli. Elle dit, l'a accompli certainement. Ça y est, l'homme n'a pas problème, l'homme a difficulté à vous capter, délivrance rapide, et puis bon Dieu, il y a ça de vous avez, bon Dieu, vous prenez courage. Vous avez le résultat dans l'immédiat, et puis vous prenez courage. Et là, il dit à la prophétie a accompli certainement. Il dit délivrance a venu sur moi. Ou par les pères, délivrance a arrivé sur vous. Car même dans le temps, ou par les pères, la arrivé, elle s'accomplira certainement. Et puis, aïe, va dire, le juste vivra par sa foi. Donc, mes côtés, à la commencé dans le premier texte qui parlait des justes. Par la vie, par la foi, c'est dans la chapitre 2, et le texte ça parle de lui dans Romains chapitre 1, verset 17, il parle de quoi encore dans Hébreux, dans chapitre 17, 38, donc son question de l'injuste, vivre par sa foi. À soi, on ne pas connaître qui niveau fort, mais chaque fois qu'on vivre à travers le monde, à un monde chrétien, spécialement en Haïti, et c'est la foi pour Dieu. Pour ne pas abandonner, pour ne pas la question, c'est la foi. Le juste vivra par sa foi. Mandez-nous pour la contre la foi. Dis contre la foi, pas de ça, dis chercher la foi. Dis chercher la foi. Vivez la parole, dis chercher la foi. Cherchez la foi. Parce que le juste vivra par sa foi. Par sa foi. Et ça fait, lorsque la parole, j'ai parlé dans les jeux,
Yon nan patikilalite ke son yo genye, son yo moutre nou ke, bon Diyo toujou kanpe bon moun bali yo. A ou ba la men asoyan. Diyo toujou kanpe bon moun bali yo, li pa chom la genyo. Li pa plage yo, se sa moun Diyo, le pa yon Diyo fidèl la. Menan, dan le son 34, le verset 10, 11, son c'est saint, craignez l'Éternel. Et il dit car rien ne manque à ceux qui le craignent. Vous entendez bien? Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Et puis, il continue à dire, on va vous dire, les lionceaux éprouvent la tisette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés. Ou pas comprendre de là. Mon ta cherche mon Dieu, bon Dieu a pour soin. Bon Dieu a pour soin. Et bien, mais tout le temps, mon qui confie dans mon Dieu par chance sorti monde. Li pas garon parce que c'est seul mon Dieu leur faire confiance. Et ça veut dire Jérémie, garder tout le monde qui pour l'homme pour appui. Garder pas moi que la promesse a passé parce que Jésus, même ses roches pour la vie nous, les femmes paraît, les tempêtes paraît pour nous arracher nous. Dieu te reçoit tout ça pour dire que nous parlons de Jésus. C'est lui qui a mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Toute richesse, mon Dieu, toute grâce, mon Dieu, toute bénédiction, mon Dieu, il y aura dans Jésus-Christ. Il va dire que Jésus dit nous à la croix, elle est mon pire, mon Dieu. C'est temps qu'on est pour nous mourir avec la vie de l'esprit. C'est temps de grâce pour nous ramasser la carrière, mon Dieu. Israël a des choses ça, mais nous-mêmes nous des choses ça, sont tant pire que Dieu. Vous avez sous pas dégagé la prière, ou pas dégagé chercher mon Dieu dans la parole, c'est vous connaître, mais vous pire mon Dieu. Dans la création, c'est Dieu avant nous. Mais ça me dit le premier. Dans la création, c'est Dieu avant nous, parce que tout va écrire avant nous. Dans l'incarnation, c'est Dieu avec nous. Parce que l'implication de la jeune là, il y a appelé Emmanuel, c'est la même Dieu avec nous. Vous avez dans l'incarnation, c'est Dieu avec nous. À la croix, c'est Dieu pour nous, Christ mourit, qu'on a Dieu pour nous, parce qu'on l'a aimé. Et puis, à la Pentecôte, il est question de Dieu en nous. Parce qu'on l'a aimé ça. Dieu en nous, donc Dieu est avant nous, Dieu qui vient avec nous, Dieu qui vient pour nous, qu'on a Dieu, ça vient dans nous, parce qu'on l'a. Et ça fait, à soi, nous pas qu'à peur, désespoir, nous pas qu'à peur malheur, qu'à tomber, parce que nous-mêmes, nous vont mieux, regardez, nous vont sécurité du fait, tout autour de la vie, nous, vous pas besoin de paix, même notre nez, bouillir, elle ne sait pas d'être mieux, elle fait gros bruit, vous pas besoin de paix, c'est le dernier soir, oui, j'aime la mort, face, on a frappé, si nous en Haïti, on a chien à frapper, parce que moi, Ecclésie, on prie en pile, les voies, ils ont mis, ils ont mis pas qu'à arrêter, les voies, ils ont mis là, ils ont passé sous. Il va ramener mon Dieu, yo pas pour la soirée de ça. Il donne chaise pour tes bouillons, yo chie ta couche là, sous du roi, rien va arriver. Garde des fois derrière la caillou, yo cinéma, sous si ma grille, rien va passer. Yo ma chère, rien va passer. Est-ce qu'on l'a? Le grand chef l'a dit, l'a utilisé pour leur technique. C'est ça que l'a utilisé, démon pour l'air, il prend l'homme même comme démon, pour aller animer, pour ensemble des nègres, pour aller penser les nègres. Yeah.
Et puis, c'est pas qu'à faire petit temps avec ma dame. Et puis, il y a des gros anges qui viennent rencontrer là, pendant leur temps là. On va prendre l'accès au service pour Dieu. Ça nous est meilleur. Les gens qui ont la bénédiction, il faut les joindre dans la haine, sur la haine. Les gens qui ont une parole, il faut les joindre dans leur poste là. Et puis, ça qui arrive toujours dans le poste. Et puis, sans ne pas avoir, il y a des madames pour aller au centre. Il parle son petit temps. Et puis, la Bible dit ça qui arrive pas quoi. Vous êtes là, ça qui arrive pas quoi. Ça qui arrive saisi. Ça qui arrive dit, oh, dans la journée là. Parce que la science, on va prendre des emplois de nous, du côté de prendre la SA, nous pas qu'à enfanter, il est possible, et même côté à sa vie, comme mon Dieu c'est souverain, mon Dieu est service, mon Dieu est comme mon idiot, comme attaché avec service, ça veut dire que des bagailles, il va comprendre, mon Dieu pour aller au-delà des fois, nous, même non pas d'accord, la souveraineté de mon Dieu, la chair, la chair pour recevoir, la promesse de Dieu à l'accomplir, c'est bien bon. Gardez, laisse sortir. Il va puisqu'on va quoi, va perdre pendant 9 mois. Aïe, 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 aïe. Puisqu'on va la bonne, et toi, pour être accompli, et on va perdre pendant 9 mois. Parce que si tu dois parler plus comme ça, on va pécher. Dès que tu reçois, ton côté arrivé, c'est pour apprendre faire silence. Est-ce qu'on a l'air? Faut apprendre faire silence. L'homme est pour bien écouter. L'homme est bien sûr. L'homme parle mal. Qui t'a parlé? Qui t'a parlé? Qui t'a parlé? On va chercher mon lien. Papa, on va prendre ça. Parce que c'est le monde qui confie dans l'éternel, c'est l'espoir. Il n'y a pas qu'à honte. Ça va vous dire, vous ne pouvez pas vous parler. Il y a un grand homme de Dieu, pas opiné sur la vie. Pas opiné sur la vie, c'est mon Dieu. Soit qui veut la vie, pas opiné. Parce que mon Dieu est dans le monde. Il ne faut pas plus sage que mon Dieu. Guillez les poids où nous sommes en train de se faire, pas de péchés, péchés. Bon Dieu, il pense à faire. Bon Dieu va faire une erreur. Et sans jeu, il dit va perdre. Puisque promesse, mon Dieu, doit accomplir, bon Dieu va consacrer les circonstances, il va consacrer les problèmes, il va consacrer les tracas. Ça veut dire que les pas sérieux. C'est comme si chacun qui est là, pas qu'à Haïti, mais gardez Jésus. Pas des monde qui a fait Haïti pour pas effrayer. A quel moment on est là, de voir garder Haïti, ou pas qu'à pas trembler, ou pas qu'à pas la peur. Et ça veut dire dans l'humanité, ou qu'à peur, lorsque Josaphat, il y a trois grands ennemis qui peuvent en face, puis il a dit pour ça, Josaphat, dans sa frayeur, dans sa peur, il dispose à son cœur à chercher. Comment on a disposé le cœur pour chercher en Haïti là? Allez, je vais pas aller pour chercher mon lien. Dispose le cœur. Même la peur a vibré. Même l'envie de vous trembler. Vous voyez, elle n'est pas comme ça à faire. Mais dispose le cœur pour chercher mon lien. Parce que pour le voir là, pour qu'elle cherche les hommes, la cherche les servantes, la cherche les jeunes filles, la cherche les garçons. Elle est confiance en lui. Elle va se dire pas qu'à manquer. Et elle est contente. Chapitre 1er, béni soit Dieu qui nous a bénis, qui nous sort de bénédiction dans l'aide céleste. Nous sommes bénis par les choses maintenant. Est-ce qu'on la soya? Est-ce qu'on vous sommes bénis? Que va changer au là? Nous sommes bénis. Où sommes-nous bénis, vos frères? Où sommes-nous bénis, ma soeur? Pas qu'il y ait des chagrins, pas qu'il y ait des problèmes, pour toi aller, pas qu'il y ait des espoirs, pour toi aller, pour aller faire, pour aller prier encore, pour déposer chant, pour déposer Bible. Sommes-nous bénis, oui? Et pas dit matériel dans la bénédiction. La vie n'est rien en elle. Comment ça va dire à votre vie? Bon Dieu, bénédiction, on y est pour nous partir pour l'église. L'île parmi les
que Paul a introduit la lettre aux Éphésiens, qui dit béni soit Dieu, le Père de notre Jésus-Christ, qui nous a béni de tout sort de bénédiction dans les lieux, pas sur la terre, non, dans les lieux. La bénédiction sur les lieux, avec les larmes sur la terre, son soulagement hier sont là. Vous comprenez? Son chemin est changé, son consolation est. Mais c'est la bénédiction. Bénédiction serrée. La bénédiction est la kidnappée. Il n'y a aucun bénédiction ça. Même les volants, il n'y a aucun bénédiction ça. Même les outillés, il n'y a aucun bénédiction ça. Amen. Parce que mon Dieu serré, on est là. Il te comprend tout, pas de plus méchant, pas de plus volé. Il y a des gens qui volent la chine, il y a volé caille. Il y a des gens qui volent avec 15 ans, avec 20 ans, il y a des gens qui volent caille. Ils ont dit, oh, bonjour, il y a des gens qui volent, 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 il y a des gens qui volent. C'est pour la terre, la terre c'est pour le faire ça, c'est tracas, c'est problème. Mais quand Dieu serré, bénédiction noire dans les lieux. Qui volait? Qu'est-ce qu'on a dit? Dans le Colossiens 3, affectionnez-vous aux choses. Aïe, 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 nous qui espérons, il y a des affections, affectionnez-vous, il y a pas attachez-vous, Dieu vous en a l'air fixé, ou pas qu'à l'Haïti, parce que pour qu'à l'Haïti, ou à quoi est malheur, ou à quoi est l'amour, ou à quoi est crime, ou à quoi est violation, ou à quoi est toute sorte de corruption, toutes les saletés, toutes les corruptions, ou à quoi est l'abomination, ou à quoi est le pays, mais qu'à l'heure de Jésus, ou à quoi est la vie. Est-ce qu'on la soit? Il a fait même notre vie qui paye la vie, même tout ça, Jésus est la vie. Et dit Jésus venu, afin que le prévu est la vie, et qu'elle soit dans la rose. Au-delà de son besoin. La sécurité de Dieu, parce que dès que la tête de l'été, si on a posé dans la Dieu, dans les 75, il y a un centre de monde campé. Il y a un problème tombé en Israël, et bien on dit, mais où est leur Dieu? Vous avez bien vu? C'est pas un autre salaire, mais côté Dieu chrétien, non? Côté Dieu l'église là, et comme si on ne pas parlé, et lui, Père Sabine, mais si on répond que Père Sabine, notre Dieu est au ciel, est-ce qu'on l'a fait? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut! Est-ce que notre Dieu est au ciel, il règne encore. Bon Dieu toujours à dominer. Il n'a pas perdu le pouvoir. Même pas qu'à jeter. Pas qu'à quelque état pour mon Dieu. Et ça fait l'espoir que de mon Dieu. C'est pour qu'il. Pendant que Saint-Guerre était attaqué, Judas et lui le roi qui était là, c'était Ézéchias, ni s'était effrayé par cette lettre qui t'a rejoint, côté que, dans la règle de la droite, sous qui mon Dieu sont appuyés, sous qui mon Dieu sont faire confiance, pour voulez dévier nous. Et puis, la Bible a dit que, regardez, dans les palais du palais, les fils de Coré étaient là, ils ont tendu des menaces. Que Saint-Pierre va faire avec la main, et les messieurs prennent plus haut comme des chants, comme des salmistes, mais ils prennent plus haut, ils ont commencé à écrire le psaume 46, ils ont dit Dieu est pour nous, est un refuge, et est la vie, et ce secours qui ne manque jamais dans la détresse. D'accord, la soya, la sécurité de Dieu, c'est pas la sorte du danger. Allez, là où il y a cette illusion, là où il y a marché dans la sécurité dans le côté, et pas parce que pas de danger. Sous cette sorte de poids, regardez pas mal de poids la soya, même les mots de la sécurité, danger à fini. Mais regardez, la sécurité de Dieu, c'est la présence de Dieu au milieu du danger. Nous avons entendu la soya là. Mais tout est la sécurité de Dieu ne veut pas dire l'absence du danger, ou pas je crois à danger, ou pas je crois à problème. Non, la sécurité de Dieu, c'est la présence de Dieu au milieu du danger. Est-ce qu'on l'a? La leçon m'a dit, Dieu est pour nous. Et on fiche et un appui, et ce pour qui ne manque jamais, pas avant nous, pas après, mais dans. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, ce pour nous n'est pas venu avant, il n'est pas venu après, mais le fini est au milieu. L'homme est travaillé, l'homme pas capable, et pour aller chercher.
Jésus attendait qu'on nous tire là. Parce que les cris, dans la sonne, il poussait les cris. Que ça nous sorte des cris. Même quand il y a encore des cris, de joie. Mais que les cris poussaient, sans cris de souffrance, sans cris d'humiliation, sans cris de déception, sans cris parler mal, sans cris galer, 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 mon Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon père dans les champs. J'ai entendu les cris qu'il faut pousser ses oppresseurs. Alors ici, Israël a pour crier, mon Dieu attendait. Et pas si vous ne pas attendez, pas si pas ouais, mais pas c'est pour crier, ils sont là, c'est pour aider. Mais la règle, c'est pour abandonner. Il dit, j'ai entendu les cris qu'il faut pousser ses oppresseurs. Et puis, Moïse, en vérité, quand le père ça est là, si c'est mon bien invisible qui manifestait tellement de démons en Égypte, tellement de gros chers en Égypte, personne n'a what?
fini pour ça. Ça va fini pour ça. Parce que notre Dieu est encore. Dieu prend bien soin de nous. Quelle que soit la chance pour s'en sortir, moi je peux manger. Et en vérité, je suis toujours en charge. Et si tu as un bon emploi, tu n'as pas un salaire chaque mois, tu n'as pas un emploi, mais toujours manger. Et mon neuf bagage, pendant que tu joues, pendant moi-même dans l'humanité, est-ce que tu as pris un temps de donner l'autre à la fois? Jamais. Et le bon Dieu, pour la barrière, pour la barrière, Dieu me met. Pourquoi ça fait Dieu me met? Dieu me dit, mon Dieu, mon affaire, taille paix. Non, mon Dieu, Dieu me dit, mon affaire, l'être. Alors, je t'ai pour moi, mais pendant ce temps, jusqu'à quand tu vas parler à voilà, depuis 27 décembre, eh bien, regardez, bien meilleur, il n'y aura jamais de l'être, il n'y aura jamais de l'être. Parce qu'elle m'a oublié Dieu. Et là, il y a des mots. Thank you.